Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est toujours au jour 4. Là je suis toujours après le raid qu'on a fait dans la vidéo précédente. Et en fait ce qui se passe c'est que je cherche d'autres bases. Je suis allé genre ici au marais là, et j'ai trouvé un endroit qui est quand même vachement planqué. Vous avez vu ça? Franchement c'est hyper bien, en plus avec le téléporteur ça va, parce que c'est vrai qu'au marais il y a très très peu de ressources. Mais ici c'est vraiment planqué hein. C'est vraiment planqué. Bon après voilà, moi je fais vraiment les coins vraiment planqués, parce que ça m'intéresse de trouver des endroits comme ça quoi. Mais bon, vous vous doutez que je suis pas venu vers vous pour ça, il se passe quelque chose. Et en fait, ouais, qui dit endroit planqué dit possiblement des joueurs. Et regardez ce que j'ai trouvé. Là, il y a deux mecs. Voilà, il y a deux mecs qui sont là. Et en plus, ils ont franchement un bon stuff. Donc on va leur prendre. Hein. On va leur prendre quoi? Ça, j'en ai pas. On va leur prendre ça. Voilà, je vais prendre les balles. Ça, je le jette comme ça, il pourra pas se TP nulle part. Ça, c'est quoi ça? Bon, je vais le foutre à poil en fait, voilà, ça dégage. Et lui aussi du coup, hein. Il y en a un autre, il est là. Et on va prendre aussi tout ce qu'il a sur lui, c'est vachement intéressant. Mais il est horrible. Adam Kuhn, il est horrible son personnage, c'est une femme avec une moustache et des dreadlocks. Horrible. Sur ce, bah, on va repartir en expédition, on va voir si on trouve des bases. Là je suis sur Ragnarok, je trouve vraiment pas grand chose. Je pense que je vais essayer de changer de carte du coup, parce que là, peut-être The Island, c'est quand même beaucoup plus planqué comme île. Bah je vous retrouve quand on trouve du monde. Je commence un peu à désespérer, j'ai trouvé une base. Mais bon, elle est quand même pas très grosse. Hein. Franchement, c'est pas... On va dire que c'est pas ce que j'avais envie d'attaquer. Voilà, c'est ça. C'est ça, voilà. Mais en vrai, je commence à désespérer un peu, donc... Est-ce que je l'attaque? What? Vas-y, mais... Ah, mais... Mais c'est pas vrai, mais... Vent de Dieu. Vent de Dieu, laissez-moi tranquille. Laissez-le-moi. Mais ces hyènes, elles sont full cheatées, hein. What? J'ai plus de bola. Wesh, les bolas, vous faites quoi, là? Vas-y, c'est bon, là. Ah mais en plus si je les rate. Voilà, m'a pété ma veste. Ou un truc, je sais pas trop ce qu'on m'a pété. Il y a un raptor aussi, vas-y. Le raptor tu dégages aussi. Bon attends, on va faire le ménage un peu. Ah ça, les flèches blanches comme ça là. Tu mérites de mourir la hyène hein. Tu mérites de mourir, ah oui. Et toi aussi tu mérites 3000 dans la gueule. Bon. Bah vous savez quoi? Voilà, ça m'a énervé, donc... Voilà, on va faire un petit raid. Non, c'est pas du tout un raid. Non, c'est bon. Franchement, non, il faut que je respecte ma parole. Je vais pas l'attaquer. J'ai failli craquer les yens, failli faire de moi un monstre, mais non, je résiste. Attaquer les faibles. Mais en vrai, sérieux, je trouve personne, pourtant. Vraiment, je vous le dis, j'ai fait le tour du monde. Je regarde tous les recoins, tous les trous, je passe dans les forêts, je prends les risques maximum. Je fais exprès de raser le sol avec le Ptera pour savoir si je me prends pas des roquettes ou des trucs comme ça. Enfin, pas des roquettes, mais des tourelles. Voilà, bah, je trouve une base, elle est pétée, quoi. Bravo. Bravo, les joueurs. Bravo à vous, là, autre base, pétée. Il y a du monde, c'est ça le truc, c'est qu'il y a du monde. Hein. Je vous dis, on a une centaine sur le serveur, mais putain, ça se voit pas quoi. Alors ici, je sais qu'il y a des petits recoins cachés, donc. Écoutez, on va essayer d'y aller. Hein. Alors ici. Ouais, je fais exprès là de voir si. Il y a un mec là. Mais il est mort, 100% il est mort, hein. C'est sûr. Ah non, il est inconscient. Bon. On va le laisser tranquille. Hein. Il dort, il tape sa meilleure vie. On va le mettre là. Est-ce qu'il va mourir peut-être? Peut-être que j'ai fait une bêtise, j'aurais peut-être pas dû toucher. Bon, c'est pas grave. Alors, bon, vous voyez, il y a du monde. On continue, hein. Continue à chercher. Je vous montre un peu comment je fais mes recherches. Voilà, je vais dans les grottes comme ça, dans les endroits connus de tous. Mais dans ces endroits connus de tous, il y a des petits spots très discrets. On peut essayer de trouver, genre comme là-haut. Oh, ouais, c'est discret, bof. Hein. Bon, c'est quand même un peu discret, quoi. Désolé. Mais ouais, je pense que ça va être la fin des recherches sur Ragnarok. Là, il y a un spot aussi. Franchement, c'est quand même discret ici. Hein. Vraiment, tu fais ta base, ça se voit pas. Hein. Mais je crois vraiment qu'il y a stricto sensu des gueux, comme on dit. Ici, il y a une caverne là. Et elle est vraiment complexe, cette caverne. Vraiment très très complexe. Alors, je sais pas si. What? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, mais il fait tout noir.
Ah oui, non mais... What? Ça va pas du tout, attends. Normalement j'ai ça là. Paf! Mais ouais... Le mec il est équipé, oh, vous croyez quoi? Mais vous croyez quoi en fait? Alors est-ce qu'on peut construire ici déjà? C'est pour ça que, aussi, que j'ai mes petits sacs de couchage. Ah! Ça veut dire qu'il y a du monde. 26 fondations, building prevent. Donc ça veut dire qu'il y a des fondations pas loin. Mais là, putain, franchement, s'il y a quelque chose, des tourelles ou un truc comme ça, ça va être compliqué à voir quand même. Hein. Très compliqué à voir, parce que vraiment là, on y voit que dalle. On y voit que dalle de chez que dalle. Donc il doit y avoir quelqu'un ici. Hein. Il doit y avoir quelqu'un ici. What? Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Il y a des tourelles. On a trouvé. Oh, ça m'a fait tellement peur. Oh, ça m'a fait tellement peur. On a trouvé. On a trouvé. Alléluia. Ah, bah alors, fichtre. Oh, j'ai sursauté et tout, quoi. J'étais pas prêt, on y voit que dalle. Alors, c'est où? Ours sinistre. Luciano. Eh, hey, Luciano, t'es mort. Bon, il y a un mec ici. On va le raid, évidemment. Là, ça a l'air protégé. Il y a plusieurs tourelles qui m'ont tiré dessus. On va vite passer par là. Paf. Voilà. Alors, il y a peut-être d'autres bases là-dedans. Bah parce que franchement, c'est quand même ultra planqué ici. What? Il y a des trucs qui dorment là. C'est quoi ces trucs qui dorment? Attends, mais ça c'est hyper fort je crois. C'est des mégazors, je sais pas quoi là. Mégalosaur. Mégalosaur qui dort. Il y en a plein. Je pense que c'est hyper fort ces trucs là. Enfin c'est pas je pense, c'est que je sais, c'est hyper fort. Bref, il régira à tête machin. Je vois pas où elle est sa base par contre. Vraiment pas où elle est sa base. Elle est cachée derrière tout ça, hein. Ça va être vraiment compliqué à raid. Hein. Je vois qu'il y a des trucs, mais où? Ça, c'est la grande question. Dehors, il y a des T-Rex. Oh, regardez-moi sa sale gueule. Ok. En vrai, des dinosaures comme ça, ça sert à rien. Dehors, on l'a vu dans la série en tribu. Hein. C'était un peu nul comme, comme idée. Mais ça va embêter quand même. Ça va quand même m'embêter. Quand j'arrive pas à savoir où sont ces tourelles. Hein. Aïe, bougre! Lâche-moi. Là, je trouve ces tourelles, c'est bon, c'est la fin. Hein. Téléporteur. Il y a un téléporteur ici. Combien de PV? 5000 PV. Je vois pas où, est, où elle est. En fait, je vois pas la base où elle est. J'arrive pas à voir. On va se poser un sac de couchage. Hein. Alors est-ce que je peux poser? Est-ce que c'est lui qui... Ouais, non, je peux pas. Après, s'il a spam, je peux pas non plus. Ok. En vrai, il peut y avoir tellement de bases par ici. Tellement, tellement, tellement. C'était vraiment le dernier endroit où je voulais aller parce que je me suis dit, là, c'est vraiment possible qu'il y ait une base. Mais hélas, je n'arrive pas à voir où sont les tourelles. Et où est la base en fait? Ça m'a tiré dessus mais... Ah, trouvé. Trouvé, c'est là. Une tourelle là. Une tourelle là. Bon, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs. On va prendre le boulet de canon. On va prendre les canons et on va faire un carton là-dedans. Hein. Allez, bon on va faire ça. Bon, j'ai fait un petit aller-retour vite fait. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Lunettes thermiques, argentavis, tortue, fondation, canon. Voilà, j'ai tout. C'est ici à peu près. Voilà. On va mettre le canon. Et en vrai, ça risque de partir en cacahuète. Hein. Avec les dinos et tout qu'il y a par terre. Oh, ça a fait des gros dégâts, là. Ouais, voyez-vous, ça part en cacahuète. Il y a des T-Rex qui m'attaquent. What? Ils ont pété mon canon? Oh, les bâtards. Heureusement, j'ai pas posé les trois, hein. Franchement, j'ai pété une tourelle, hein, du coup. Ouais, c'est calme. Hein. Il y a Smilodon aussi qui est venu, ok. Ouais, c'est un peu emmerdant, en fait, hein, le fait qu'il y ait des dinosaures. Attendez, les gars. Ouais, c'était cool. Je vais juste récupérer mes boulets. Voilà, c'est tout ce que je veux. Hein. Alors, est-ce que j'ai cassé une tourelle? Je vois plus de tourelles en vrai.
En vrai, s'il faut un boulet pour péter toutes les tourelles. Attends, mais c'est quoi? Ouais, c'est des T-Rex, on est d'accord. J'ai pas pris mon bouclier? Eh non, j'ai pas pris mon bouclier. Hein. Ça, c'est malin, ça. Attends, mais j'ai pété toute la base? Non, je suis malade. Ok, il reste encore des tourelles, il reste encore des trucs. Hein. Non, j'ai rien pété du tout. Va falloir que je fasse le ménage. Hein. Va falloir que je bute les dinos, hein, tout simplement. Là. Ah, ça va être compliqué en fait. Oh, ils font trop mal. Oh. J'ai pas envie de les tuer en fait, ça risque d'alerter le joueur. J'ai pas beaucoup de flèches en fait, je m'en rends compte là. Eh, viens! Voilà, viens! Ah, mais qui sont cons? Ah oui, c'est bon! Viens, suis-moi! Viens! Allez, on va faire une petite promenade. Faut que je me perde en fait. Allez, casse-toi. Voilà, c'est bon. T'es bien ici. Allez, un au moins. Voilà. Ça, c'est ça, ça part. Il en reste un autre. Eh bien, suis-moi. Il a fait quelqu'un. Mais suis-moi, bon sang. Il frappe fort. Je suis glitch. Allez, viens. Tu vas rejoindre ton pote. Ah, il y a le Spinodon qui est de retour. Ouais, je vais être obligé de tous les tuer. Terrible. Pourquoi ils reviennent comme ça, là? Qui casse mes sacs de couchage. Ah, mais par contre, s'ils reviennent, ça va pas le faire. Hein. Comment ça se fait qu'ils reviennent? Et toi, t'es coincé déjà. Voilà. Bah, lui, c'est coincé. Voilà. Et ça dégage. Est-ce que je pourrais coincer lui là en même temps? Viens. Tue-moi. Viens. Non, mon pote, il y a un piège ici qui est déjà tout feu là. Tu peux aller dedans toi aussi. Mangerai. Et voilà. Je sais pas, c'est un piège. Bah crie. Hein. Est-ce que c'est un piège qui a été fait par le. Bah ouais, c'est un piège qui appartient au mec que je raid. Et ça a coincé ses T-Rex dedans. Voilà. Là, c'est du GG. Hein. Là, c'est du GG à lui. Allez, bon, deux T-Rex à moi, ça fait déjà pas mal. Fait déjà pas mal. Il y a le Smilodon du coup qu'il va falloir éclater. Ah bah voilà, je peux le prendre, je peux le grab. Mais voilà, le Smilodon, je peux le grab, je vais le mettre loin. Je vais le mettre loin. Et s'il m'emmerde, bah écoutez, je vais le tuer. C'est quoi ça? Tiens, prends ça. Prends ça, regarde, il y a le Smilodon là. Voilà. Vous voyez comme il déconne pas, il a grab et tout. Hein. Il a grab et tout. Vraiment très fort ce dinosaure. C'est ça qu'il faut vraiment faire gaffe hein, à ce machin là. Regardez comme il est en train de se faire bolos le Smilodon. Il est en train de se faire éclater, pourtant il est que niveau 28 le truc. Hein. Bon voilà, bah merci de m'aider, la faune sauvage. Toujours là pour faire plaisir. Voilà, comme ça c'est pas moi qui le tue.
Bon, très bien. Alors, on peut y retourner. On peut y retourner tranquillement. On va prendre un canon. Heureusement, j'en ai plusieurs. Prévoyant. À moitié, quoi. Peut-être enlever les lunettes de vision nocturne. Voilà. Hein. Alors. Il y a un autre T-Rex là. Il y en a combien en fait? What? Mais il y a une armée de T-Rex! What? C'est quoi? C'est quoi? Non, 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 non! La catastrophe! Lâche-moi! What the fuck? Ah, j'étais pas prêt du tout là! Oh mon dieu! Et en plus, il a dû bouffer tout mon stuff! Aïe, 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 c'est la catastrophe!